Des militaires qui ne suivent que de très loin ces grandes manœuvres diplomatiques. Personne apparemment ne croit à un cessez-le-feu et les missions aériennes sont toujours aussi nombreuses. Un reportage sur une base américaine et sur une base française, Albert Ripamonti. Il y a 3 mois, ce n'était ici que sable et cailloux. Aujourd'hui, les Américains ont transformé ce coin de désert en base aérienne. D'ici, les F-15 et les F-16 décollent sans interruption pour bombarder l'Irak et le Koweït. Cette nuit, au moment d'embarquer, les pilotes ont encore en tête le discours de fermeté de Saddam Hussein hier soir. Ce n'est qu'au retour de leur mission qu'ils apprennent que l'Irak a fait volte-face. Mais au bord de la piste, la nouvelle ne trouble en rien les esprits. Faut continuer la guerre jusqu'à quand tout s'est rangé. Il est mort. Saddam Hussein, il est mort. Parce qu'il est le problème. Pas les gens d'Irak, mais seulement Saddam. Et donc, d'après vous, tant que Saddam Hussein sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix possible? C'est pas possible. Presque au même moment, les Jaguars français atterrissent sur l'aérodrome d'Alassa. Ils rentrent après avoir effectué 2 raids dans les mêmes conditions que les Américains. Car à cet instant précis, eux aussi ignorent tout des derniers développements diplomatiques. Enfin, je sais qu'il y a des affaires en cours, mais c'est pas mon problème ce matin. Moi, j'avais une bombe à larguer. Et les problèmes de Sarkozy ne m'intéressent pas. Quand nos chefs nous diront « Ok, on arrête », on arrête. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour l'instant, les ordres n'ont pas changé. Au sol, l'activité de guerre se poursuit et l'on prépare déjà les prochaines missions.